Figure historique du protestantisme radical en Irlande du Nord, le révérend Ian Paisley a tiré sa révérence. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Entré en politique dans les années 60, il va fonder quelques années plus tard le DUP, le Parti Unioniste Démocrate, et devient le chef de file de la fraction la plus intransigeante des protestants unionistes. Longtemps opposé à tout accord avec les catholiques, et notamment aux accords du Vendredi Saint, il sera surnommé Mr. No. Il effectue cependant une volte-face spectaculaire en 2007 en acceptant de partager le pouvoir avec le Sinn Féin catholique. Il devient alors chef d'un gouvernement biconfessionnel aux côtés de son ancien ennemi Martin McGuinness, un ancien de l'IRA. Une expérience de courte durée. En 2008, il quitte son poste et se retire de la vie politique.